Ok, présentement avec Zagalo Zigizag, qui est non seulement le représentant d'une formation musicale d'Haïti, mais aussi c'est un monsieur qui a un paquet de chapeaux parce qu'il occupe un paquet de jazz, même s'il n'est pas officiel. Mais de façon officieuse, il occupe un paquet de jazz et un paquet de event, même si c'est event, je ne sais pas, event, pas Zagalo, comment est Son plaisir, Jean Evans, Evan Jean. Et oui, moi représente plusieurs jazz en Haïti, notamment New Look Vibe. Mon programme est Kaito, mon grand fait écoute dans T-Vice. Mais je suis l'homme. Ouais, tu es l'homme. L'homme du moment. Oui. Comment ça s'annonce pour les vacances d'été? Vacances d'été, ça, comment? Bon, est-ce que je peux dire. Pourquoi pas dire tout va bien? Bon, je vais dire clairement que c'est un peuple qui était un peu frustré et qui était un peu malade, assoiffé d'ambiance. Et niveau politique là, était tellement haut. Et là, il arrive que il y a un petit débloqué qui fait. Ce n'est pas que il a fini, ce n'est pas que misère a fini, ce n'est pas que crise économique a fini, mais on sentit qu'il y a un petit développement qui fait et au niveau de côté sécurité avec après arrestation et fameux Arnel. Mais on sentit diaspora, tu es boum, il est entré, ticket a changé, et puis de là, et ça me fait le bon signal. Et depuis là, nous sommes en vacances qui est pratiquement avec sensation, avec autant de belles affiches, si vous voulez, que ce soit l'anniversaire de classe, que ce soit la soirée phare de New Look, Oswald et Vibe, et puis suivi du 27e de T-Vice. Donc on a eu un bon week-end, mais pas seulement le week-end, on m'a parlé de ETA qui a annoncé bien, même si il y a un petit peu d'acadou de. Et si flop à la ville de Provencio, pour passer Matissant, dans tête ou l'orville la Tibonine, est-ce que pas mon bagage qui prend à peine? So, c'est comme ça, non? Mais quand même, son vacances pour me répondre, et son vacances qui, tout au moins, est à dérouler très bien. J'aime dire que c'est sur page Top Gouv, YouTube, que là. Depuis que je suis Evangel, pas grand-chose. Que sur Top Gouv, que sur Evangel, depuis Evangel là. Anyway, Top Gouv, son plaisir, mais quand même, et souvelé. Depuis Evangel là, pas grand-chose. Ah, fait mal. Basse yep, donc. Que, mm-hmm. Est-ce que ou ka, par exemple, quantifier combien de monde qui rentre d'après vous-même? Est-ce que là, 20 à 30 000 monde qui rentre en Haïti? Pendant la période là? Yeah. Moi, je ne pas chiffrer, mais allant du 22 juillet à nos jours, avion toujours rempli. L'aime dit rempli, vraiment rempli à craquer, puisque on a sorti Miami là, ce pas prend à temps, à l'heure, donc on va payer entre 7 à 800 dollars, on va parler de New York. Donc c'est pour nous dire que le 24 juillet, deux jours avant fête compas, on pas de même entrer dans zone pour entrer dans l'aéroport. Ça veut dire dans zone en point, il n'y a pas de quitter mon entrée dans l'aéroport là. C'était pour une première fois que je suis à Haïti comme ça, c'était tellement grand besoin, donc mais. Je ne suis pas vraiment chiffré, sinon c'est avion pour 300 personnes et chaque jour il y a 3-4 vols. Donc nous avons un chiffre entre 15 après toucher sur les 16 000 personnes qui sont de diaspora qui entrent en Haïti. Il y avait beaucoup de monde qui est rentré vraiment, c'est sûr. Et c'est dans l'optique ça que nous. L'autre question n'est pas venue. Nous te posons une question parce que nous connaissons pertinemment que grand pile monde qui est venu. $35 pour Summerfest. Yeah. $35 américains et c'est beaucoup pour, pour le public. Mais est-ce que vous pensez que c'est beaucoup plus de diaspora qui est dans la fête ça? Non, du tout pas. Et Summerfest, c'est un bagage avec son perception de la classe, son perception de du genre. Mais. Pour honnête, c'est un festival que je supporte parce que il va nos couleurs d'Haïti, la mer, l'ambiance, les belles femmes les haïtiennes. Donc quelque part $35 et je pense que comme nous sommes artistes et Avengers, show business là, tout en crée mystère. Ça fait Avengers toujours à la mode. C'est parce que par exemple quitter mon rivet prêt ou quitter mystère
you know. So même j'ai pour moi passé dans show business des fois faut créer un buzz et perception et ça me fait ça c'est ça. Ça lié de créer un bagage VIP table 120,000 et I'm sorry, $1,200 et environ 120 tables de vente. Donc c'est pas diaspora, diaspora tu peut-être à 35% mais c'est ton diaspora local haïtien qui fait folie, haïtien qui t'est venu dans son fest, dans son fest. On dit chiffre qui prêt arriver dans son fest ça dépasse 10,000 monde. Et nous pensons que c'était. Et mais avec un pile de pour corriger, si nous parlons de son fest, et nous, comme nous parlons de vacances, quand il y a des monde, et prio, est-ce que nous voulons fermer pour me dire, nous pensons qu'il faut que des petites modifications qui faites pour pratiquement 4e édition pour que on s'en fasse qui nous a cadeau, qui bien maquillé avec un étranger, qui vaut la peine par rapport avec ça avant. Vous dites-nous que vous avez au moins 35% diaspora qui était dans son fest. Dans 35%, ou dis-nous par exemple que les tables étaient vendues à $1,200 américains. Par table. Par table. Et combien de tables vous dites qu'ils vendent? 120. Goodness. Tu as fait le décompte, papa? Oui, bon, au fait, les agales pas dans le comité, même tu es support, mais as a promoter. Donc là, on va faire le positif. Ou ka supporter le tout parce que ou feel like la nan intérêt pays donc moi l'équipe de Tipouchon Alain que ce soit Kafi même si moi ma Kafi n'est pas trop à l'aise mais et pour le bonheur de Sanfest pour le bonheur de et initiative là me tient à ce que by énergie by temps pour yo parce que Tipouchon vaut la peine et donc mais si ça fait mon compte chiffre ça on va parler du genre comme si le monde t'a dit waouh. Non même t'es là et t'es bah, accompagné monsieur au niveau de sécurité t'es fait contact des DO pour etc mon compte chiffre donc monsieur t'es vendu 120 tables des tables gain tables de 1400 par tout dépend de qui boisson à point et de tables de 10 mais et, c'était peut-être il y était une dizaine pour yo à savoir amis sponsors mais et, ratio était complètement t'as vendu sans oublier les sponsors c'était une belle initiative. Ça veut dire que 65% par exemple, non, 35, oui, 65%, c'est haïtiens qui vivent Haïti, malgré la situation économique précaire qui vient dans le pays, hein, ils jouent $35 pour le bail quand même. Events, si Events sont intouchables, Haïti n'a pas rien difficile pour lui. Donc, je dis Events, j'ai joué $100 américains, lui-même, depuis le vlé, pour le Avenger, pour le concert de Avenger. Donc, c'est comme ça, laissons faire, c'est monter le débouté avec apparence et folie arrêter la carrière tout le monde. Et les gens, quand on a un type de monde dans le programme, les gens étaient là. Mon ça aussi j'étais là c'est mon ça premier arrivé faire photo en dans selfie etc. type de monde j'étais là yo quel que soit chiffre là il y a fait j'étais là moi mais ça le grand public qui soit I was there donc yeah. C'est mon ça yo so et en gros c'est ça et haïtien local depuis fait folie il y a plein extraordinaire et son fest s'est bien passé oui tout s'est bien déroulé pas de gain trop et panique sinon tu gagne des tirs en bouteille et alors tu laissé frapper en dedans mais c'est pas côté sécurité tu bon embouteillage de yo tu anti gens sur les tu on ti note négative par rapport avec Jean Monio tu pas et garé mais après ça tout était correct sinon que la pluie a été venir déranger à un certain moment mais au fait c'était bien d'accord dit si ma ballon note comme mon professeur m'a dit mon ballon environ 7,5 sur 10. Extraordinaire. La prestation de formation musicale a été extraordinaire. Non, je ne vais pas dire extraordinaire. Mitigé par rapport aux prestations, par exemple, des DJ. Bon, c'est on constate peut-être dans l'autre show, quand petit débat ça avant sur Top Groove, et je pense que DJ Okuni a commencé à battre jazz de compétition. Je vais vous expliquer. Longtemps, c'est DJ qui prend un temps de pause, mais on dirait que c'est groupe qui ont un temps de pause. Ça a été pour DJ. DJ a un microphone, il a chanté tout. Donc, moi, parce que la performance n'est pas extra. Sinon, que chaque monde est dans le domaine, il est allé. Et moi qui passait mieux pour moi, et fait ça, c'était Barricade Coup, sans production, mais réaction publique, là, c'était c'est Barricade Coup. Après ça, l'autre qui a moyen, quand il n'y a pas de mauvais tout, monsieur était joué dans l'anti-animation, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de geste. Et vibe, malheureusement, il y a un public très fatigué après la pluie. Et puis, à Monique, c'est malchanceux qui arrivait très tard par rapport à un vol qui est arrivé très tard en Haïti. Mais sur les prestations de Tijan, Molo, je me suis dit, très frais.
puisque le public a été pralé, pas même si harmonique t'a clôturé, mais tu vas rester respecter tête li comme d'habitude, il passe toutes âmes nous connaît bien de carnaval là de Goise là pour tomber dans l'hélicoptère, il est pas résultat là. Moi t'ai gardé presque tout choix, mais je pensais que tu vas c'était jazz compact qui était plus professionnel dans tout sens. Oui. Et bon, et après il y a monde qui dit que apparemment son show il fait pour T-Vice. Après 27 ans, donc Rinaldo pas un monde qui mince dans l'esprit. Bon, c'est Roberto Tous, c'est un très bon politicien. Les question d'expérience même. Mm-hmm. Parce que moi-même j'ai 20 ans depuis m'a organisé activité, bon les trucs viennent car j'ai impression bah pas bon, car j'ai impression comment m'a fait le qui bien pour le bien. Donc on pense que c'est le même cas pour T-Vice. Monsieur mon expérience, donc il est arrivé depuis qu'un monde devant m'a balle d'eau dit clairement T-Vice pas gagné new album et qu'on pas fait bâton li fait là et exactement dans Montréal bâton li fait encore dans son fest. Je pense que c'est expérience et puis n'a pas béton. Yeah, tout à fait. So, après ça, n'a pas fait yo avant que nous passions dans l'autre festival Bikini qui était venu par là, T-Vice fait samedi qui se passait là. Mm-hmm. Ça a été, comment ça a été pour toi? Bon, et 79% de monde répond en blanc sur le thème fait là. C'est après le 27e monsieur yo, 27e d'Acadie. Et sans production, mais même si c'est une nouvelle composition, n'est-ce que à la hauteur. D'abord, c'est Harmonie qui commence. Harmonie qui joue quelques morceaux sous le dernier album. Non, il était bien recevoir, mais pas du genre les T-Vice monté. N'est-ce que qu'on compare musclé. Et c'était intéressant. Et coupé gâteau, feu d'artifice, moi c'est pour le 27e. Et nombre de monde qui t'en dedans. D'ailleurs, hôtel là, t'es sur la route. Donc, monde de York a fait peut-être entre. Voilà, touché vers 1000 personnes, mais pas qu'à 10,000 personnes étaient dedans, puisque après la pluie, il y a plus de monde qui a choisi d'être dans la chambre, sous le sac, madame, a profité de l'occasion. Donc, avec dire, et je pense que c'est son fait qui finit à 4h du matin, on était satisfait. Ok, dans toute base, la formation musicale qu'on représente en Haïti, hein, et nous parlons dans aucun programme, zéro, mais apparemment, et ça se passe bien pour New Look. Oui, je pense que nous avons démarré sa tournée le premier, donc c'était extraordinaire. Je dis jusqu'à présent, c'est l'affiche phare parce qu'on a eu vraiment une grande affluence. Mais je suis parti, mon Dieu, c'est peut-être parce que c'est Zigzag Production. Non, on n'est pas comme ça, nous pas fait cadeau. Et c'était une soirée qui était vraiment, il y avait beaucoup de promotion et je pense que l'été à la hauteur de soirée puisque. Côté animation, vibe était là, Oswald, surprise soirée, c'était Woody, et Oswald comme un haïtien, parce que monsieur voit très agréable, et monsieur était vraiment sérieux sous gâteau. Et là, grand vraiment monde qui profite de soirée, c'est New Look, qui d'après lui était hit sur hit, et mon était chanté, et c'est une soirée qui finit vers 3h30, et Buto Richard, qui est propriétaire hôtel là, il n'y a pas jamais vendre autant de... Non, soirée comme ça. Donc, Huglin a organisé 40 ans carrière, Jacob et Jocelyne, c'était vraiment un grand affluence, mais ça, il y avait peut-être entre 300 et 400 de plus. Donc, dans le jardin, non, Evans, je ne sais pas si je suis très satisfait. C'était un défi pour nous autres, Zigzag Production, parce qu'on voulait justement donner une petite leçon à Henri Larivière pour nous dire que nous, quand on fait ça, on a fait. Pas seulement. Non, bon. Non. Tu sais, je voulais honnête avec les anciens amis, je n'ai pas envie de prouver comme ça me fait. Oui. Malheureusement, oui, peut-être entre tempérament, nous avons côté, peut-être monsieur, je senti pas en confiance, je suis obligé de couper service là, mais au fait, je n'ai pas prouvé vraiment, puisque je connais une petite stratégie, l'éternel, une petite inspiration. Yes. Mais au cap travail, moi, je vais prouver chaque jour. Soir. Parce que le cas, des fois, le monde ne le utilise parce qu'ils sont mal nécessaires, mais il faut tout le temps renouveler et renouveler son café. Donc, c'est justement une petite leçon à Ali Larivière. Yes. Moi, vas-y. c'est une grande victoire pour Zigzag Production. C'est une grande victoire aussi pour Harley qui a été, par exemple, pas Harley, New Look qui a été critiqué pour. À cause de son dernier album que Mounio plus ou moins bah connaît c'est Zouk c'est du J-Beats qui a joué il n'y a pas eu du coup pas musclé donc mais, au fait je pense que pour arriver dans la partie ça je pense que monsieur font choix commerce
pour des gens comme toi, des gens comme Philippe Saint-Louis, des gens comme BS, c'est pas notre combat, mais Mbappé s'est fait en défense selon sa réponse, selon réaction parmi différentes entrevues qu'il réalisait avec différents animateurs. C'est comme si Mdakadou, son côté commerce, Mbappé s'est fait l'autre bagaille pour marcher, anti-là, pour le cross, whatever. Bon, avec le temps, on verra si la raison, mais c'est vrai que l'APC cherche un public jeune. Mm-hmm. Est-ce que c'est la bonne formule? On saura peut-être dans le futur. Tu lui as conseillé ou pas le conseil sur... Non, du tout pas. Donc, bah, dans la production. Ou à donner ou à... Non, pardon. Juste rété au niveau de marketing, malheureusement. Jusqu'à présent, l'album n'a pas un petit problème de distribution puisque Ali, après 20 ans, et essayé de faire la réserve. Mais jusqu'à présent, l'album n'a pas vraiment fait distribution dans la ville de province. C'est peut-être ça tout qui fait mon beaucoup qu'à chanter le dernier album. Mm-hmm. Autant, sinon, des musiques que vous parlez, madame, et comme on a dit, à cœur ouvert. Mais après, on reste là. Donc peut-être. Et pour le mois de décembre, s'il y a une autre stratégie qui fait, monsieur est certain que l'album n'a pas l'air. Mais et côté choix, c'est Ali La Rivière. Donc, il s'est producteur technique, il continue à chercher. Donc, si Ligue 1 n'a pas raison, n'a pas dit bravo, dans le cas contraire, n'a pas critiqué. Il faut nous connaître aussi que Nulo te font superbe, mais vraiment superbe prestation dans Okaï. Ah oui, à part salut. C'était bien jusqu'à présent, honnêtement. Event, c'est moi-même, c'est j'aime de l'amba faire cadeau. Jusqu'à présent, ça marche très très bien pour nous. Le premier, c'était très 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 bien. Le deux, c'était bien puisque pour monter à passer chiffre 1000 ans. Et hier soir, avant hier soir, avec Vibe à Marigo, c'était du gars de marée. Donc, et puis il fait le passer la plage publique, mon Dieu chantait avec hier soir. C'est une soirée peut-être à moyenne de 55% ou 60%, puisque on a New Moving Grand, mais nous t'es touché vers 500 à 600 personnes présentes là-bas. Donc, ça veut dire que c'est pas une soirée Mdakadou, ni piscine, ni waouh tout. Mm-hmm. Donc, mais il y avait du monde. Ok, qui s'est apprêté par exemple pour ressembler à New Look particulièrement? Nous avons invité dans le 11e anniversaire harmonique, tu as fait vendredi ça, et puis il y a besoin de fête privée. Sinon, que était au CAI qui parle au CAS de Notre-Dame, et puis ce dimanche à Kingdom Hotel, et puis chez Ali La Rivière ce samedi 10, pour le fameux dîner en blanc. Mais après la soirée, je me suis certain que tous ces gens-là vont venir à New Look à feu vert. Donc c'est toujours une tradition, c'est qu'à Ali. Donc nous soutenons pas marcher à quel côté la marcher la Cali quand même, puisque mon au cap gagne un titre de supporter mon la Cali. Donc après Ali pour aller les Antilles, et là pour tourner pour anniversaire, c'est pratiquement le 22 pour la dernière prestation New Look. Mais et pour Vibe, c'est pour le 18, monsieur a quitté le pays définitivement. Groupe ça tout au moins qu'à confirmer, souvler, rassurer de qu'il a fait tourner à faire. Merci Ziga, Zigzag, et c'est sûr que... Top groove, regardez, banane ni groove ni rien, information à bon. Oui, vous avez dit vous d'aller voir. Oui, j'allais te dire que n'a pas de temps en temps pour nous prendre la dernière information concernant ce qui se passe pendant les vacances. Eh bien, son devoir, Evans, son devoir et tout téléspectateur Top Groove sur YouTube et abonné et pour qu'on puisse ça passer. Depuis l'information tombée là-bas, on est juste soit à vous et puis monter sous ton bouffe pour qu'on ça passer dans le chemin. Thank you. Il faut donner ce qui est à César, à César. Il faut donner ce qui est à Dieu, à Dieu. Donner à Zagalo ce qui est à Zagalo. Bow!